c'est Doudou, il était là avec nous tout le temps. Donc j'essaye de faire aussi bien que lui. Voilà, comme il disait toujours, voilà. Qu'est-ce que tu bois, Doudou? Ah, il nous manque c'est tout plus le temps. Pour les vieux, ça. On a attaqué lundi après-midi, commencé à mettre des terrains de basket et tout. Et voilà, aujourd'hui on a scrapé les chapiteaux, on va chercher les friteuses et tout. Demain on pignole et puis vendredi on attaque. Et on croise les doigts pour qu'on fasse beau. Alors ce tournoi de pré-saison, qui est organisé depuis 17 ans et qui va s'appeler pour la première fois la Massey Davis Cup, est un tournoi qui a deux objectifs en fin de compte majeurs. Le premier, c'est de permettre à l'équipe professionnelle de la JL de faire une remise en route de compétition, de matchs et de préparation à Bourg-en-Bresse, et donc de présenter un petit peu notre équipe chaque année au public récent. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que le club amateur et le club professionnel travaillent ensemble dans l'organisation de ce tournoi et que ces bénéfices vont prioritairement vers le club amateur de manière à pouvoir permettre à ce club amateur de fonctionner plutôt de manière plus confortable pour les équipes de jeunes et pour encadrer les jeunes. On est en train de finir de monter le village. On a fait d'autres choses aussi les semaines d'avant puisqu'il fallait monter l'intérieur d'Equinox pour la mettre Equinox en configuration basket. Là, vous voyez, on a une petite surprise avec du sable sur le côté. La totalité du tournoi, on doit être comme sur la totalité de l'année, 70, mais en mélangeant les bénévoles de la section pro, les bénévoles de la section amateur et les diablotins. Donc toutes ces personnes-là vont aider d'une façon ou d'une autre sur le tournoi. Donc l'objectif, c'est même d'être fin prêt jeudi soir pour que vendredi, on soit prêt et dispo pour le public.